Pourquoi tu reviens encore? Je viens de te voir au travail, frérot, tu me manques, frère. Je te manque de quoi? On s'est vu hier soir. Samba, franchement, aide-moi. Samba, j'ai besoin de toi. Samba, s'il te plaît, aide-moi. Ma mère, elle est malade. Je te jure, ma mère, elle est malade. Samba, voilà, je te jure. Starfoula, mais comment t'es un menteur? Ce matin, je l'ai vu en train de faire un footing, elle était très en forme, toi. Pourquoi tu mens? Eh, c'est fini tes coups. Non. Tu as plus me gratter d'oseille. Tu m'as fait le coup il y a 2 semaines. Tu m'as dit comme quoi t'allais me rembourser après. Tu m'as jamais remboursé. Et c'est bon. Non. Tu as plus gratté d'argent sur moi. Aide-moi, aide-moi. Non. Paye-moi une pizza, donne-moi 20 euros, Samba. Eh, je t'ai dit non. Je te l'ai dit encore et je te redis non. Je veux pas te donner de pizza. C'est bon. Arrête de. Eh, fais ta crise. Fais ta crise d'hystérique. Qu'est-ce qu'il fait encore par terre, lui? Il fait sa crise. Vas-y, tu connais lui. Il fait que de me gratter à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois, tout le temps. C'est bon, j'en ai marre. Là, il fait son cinéma, laisse-le par terre. Vas-y, mets-lui une pizza, c'est pour moi. Mais pourquoi tu le calcules? Quelle pizza? Vas-y, c'est bon. Bic, lève-toi. Tu veux quelle pizza? Mets de l'oriental. Tu mérites même pas, toi. T'as tellement bon, toi, là, t'as tel sang. T'es le frérot. Lâche-moi, s'il te plaît. T'es nage dédié, voilà. Lâche-moi. Lâche-moi, frérot, voilà, lâche-moi. Lâche-moi. Regarde ton corps, s'il te plaît. Tiens, voilà ta pizza. Merci, frérot. De rien. Ce soir, tu vas venir ranger ma cave. Oh, t'inquiète, chérie, là. Mais là, y'a pas de voilà ou je sais pas quoi. Ce soir, tu vas venir ranger. J'étais dit voilà des heures d'avance, chérie, là. Ton voilà, il sert à rien. Allez, le frère, hein. Bonne journée. Bon courage, ça va. Il est vraiment con. Touché, ce mec. Quoi de neuf sinon? Ça bosse, hein, mon frère, tu connais. Hein. Et franchement, psartek. Hein. La pizzeria, elle commence à bien tourner. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Depuis que je suis là, ça tourne comme des petits pains. Ça part vite, mon gars. Il est pas là, Mike. Vas-y, Mike, je sais pas. Il a dit. Il a un problème perso, il va dans une heure. Tu connais, il est touché. Lui. Sans bitch. Moi, je dois partir, mon gars. Il y a une cliente Airbnb qui arrive. Cliente? T'as des idées bizarres, toi. Mais voilà, c'est pas ce que tu crois, gros. Tu te rappelles de Georges? Georges. L'ami de Gérard. L'ami de Gérard. Le manager. Ah, celui-là avec la grosse BM. Même il a une grosse baraque qui nous avait tous invités, là. Voilà. Ouais, quoi. Mais lui, maintenant, il gère une rappeuse. Elle cartonne de ouf. Et comme j'ai une interview pendant la maison, il a décidé de réserver la chambre. Et devine à qui il a demandé de confier son artiste. Ta-da! C'est moi. C'est Farid. Eh ouais. T'es bon. Mais ça s'appelle comment son artiste? Zen. Ah ouais, elle tourne à la radio, elle tourne partout en ce moment. Partout. T'es bon, monsieur manager. Sans bitch, on se voit plus tard. Vas-y, mon ref. Vas-y, toi. Bon, moi je vais retourner faire mes pizzas. Salut, moi c'est Farid. Ils sont dans le coffre. Hein? Vous avez dit quoi? Mes affaires, elles sont dans le coffre. Wow! Il fait déjà chier. Ouais. 500 ans, ouvrir une porte, c'est pas facile. En tout cas, Zen, je te souhaite la bienvenue. On est dans une maison de repos ici? Non, c'est pas. Si t'as pas serre-moi à boire. Tu veux boire quoi? Ah! Oh! T'as quoi? Tu peux me ramener du sopalin, s'il te plaît? C'est pas possible. Pourquoi? Je peux pas m'asseoir dessus, en fait. Il a quoi le canapé, en fait? Il est pourri, le canapé, il est... Eh ben, pour avoir un beau canapé, faut avoir un beau corps! Pour parler avec moi, faut avoir une belle gueule, déjà. C'est pas bien. Je suis allergique, moi, au canapé comme ça, mais où tu m'as ramené, là? Moi, minimum, normalement, déjà, on prend tout le temps mon canapé à disposition. Ok, tu veux boire un truc? Non, pour pas
pas que ça touche mes jambes. Tu veux boire quelque chose? Tu peux patienter? Oh là là! Magasse ce nuit-là, je peux pas faire mon pas avec toi, hein. Tu te rends quoi à voir? Un coco manque passion. Ok. Y a que de l'eau tiède ou du jus d'orange? De l'eau tiède? Ouais. Bah non, pour de l'eau tiède, tiens, je vais goûter. Jamais goûté. Il y a du jus d'orange tout de suite là, maintenant il y a du jus d'orange. Ah, du jus d'orange alors. D'accord, Bernadette. Alors moi c'est zen déjà. Donc on se calme. On n'a pas encore cette. Eh bah reste zen alors! Tiens. D'orange. C'est une blague? Et mon quoi? Attends, je te rappelle. Y a pas de glaçon en fait. Mais tu veux que je meure carrément, que je vive ici en fait avec la maison des vieux quoi? C'est une blague? Tiens. Y'a quoi de bon? Mais il est déjà sous l'eau Titanic là en fait, c'est quoi? Bon, c'est quoi? Très gentil, j'ai pas soif. Allez, tu me montres ma chambre s'il te plaît. Mettre mes lunettes parce que j'ai pas envie de voir ici. Il me faut un doliprane. Je te montre ta chambre. Il faut autre chose aussi. Et on parle comme des adultes. Tu l'as volé, tu l'as eu. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ça se voit pas, je suis en train d'écrire, de chercher des punchlines, de m'entraîner. Ça se voit pas. Franchement, non, si tu veux, je t'aide, hein. T'as vu de même acheter si tu veux. Reste tranquille s'il te plaît. Laisse-moi t'aider, t'inquiète, je te prendrai pas de sa scène. Bon, t'as vu, je sens que là tu vas me faire très très mal à la tête. T'as un essai, après me prends pas la tête. Ouais, c'est quoi la dernière phrase? Tu l'as voulu, tu l'as eu. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Tu l'as voulu, tu l'as eu. T'inquiète bébé, je te ramène à Super U. On sera collés comme de la colle hu. Tu vois la colle jaune là, c'est ouais, la carbone ouais, ouais. Tu fais le mec, t'as juste volé une pomme. Mais t'as pas de vécu. T'as vu ou quoi? Et si je te dis Tchernobyl? Tchernobyl? Ouais. Tchernobyl. Tchernobyl. Tchernobyl, je suis plus SFR que l'ICA mobile. Devant ton boule, je reste immobile. Oh. Quoi? Et moi, y a pas de vulgarité dans mes textes. Y'a pas à m'inventer des boules par là, boules par-ci, boules ci, y'a pas. J'écris pour la crime. Y'a deux jours, il m'a demandé d'écrire pour lui, t'écris, je devais faire ma douche, pour... j'avais pas le temps. Eh, t'as vu, t'écris pour la crime, la crème, la crème. C'est pas mon problème, t'as vu, moi, dans mes textes, y a pas de vulgarité. Ok. Voilà. Bref, tu rappelles avant toi, non? Non. Mais tu connais, je m'intéresse. Tu vois, j'écoute Hamza, Booba, PNL. Tu vois, je m'inspire, t'as des magazines. Je connais un peu. Tu vois, hein, t'as l'air cultivé. Un peu. Et tu penses quoi, toi, d'un contrat à 8%? Un contrat à 8%? Après toi, vu ton buzz, vu tes ventes, tu vois, moi je pense que tu pourrais même monter entre 10 et 15%. Ah? Ouais. Et tu penses quoi, par exemple, d'un manager qui s'occupe pas de son artiste, qui s'en fout un peu de sa carrière, qui pense beaucoup plus à lui et qui ramène pas de contrat? Bah, un manager qui s'occupe pas de son artiste, il va servir à quoi? Donc autant le remplacer. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Comment ça? Je vais virer Georges. Mais t'es malade ou quoi? Je peux pas faire ça à Georges. J'ai une conscience, moi. T'as une conscience? Eh ben mon pote, c'est toi qui rates alors. Tu passes à côté d'un paquet d'argent et un max de contrats. Je m'en fous. Voilà. En plus de ça, avec le buzz que j'ai en ce moment, mon pote, tu peux te faire jusqu'à 50 000 euros et 100 000 euros par mois. Oh, déjà le sens? Mais non, Georges, c'est pas ce que tu crois! Mais non! Mais je voulais pas monter la tête à ton artiste! Quoi? Un procès? Mais laisse-moi m'expliquer! Voilà, tu me fais des histoires avec Georges! J'aurais jamais cru que t'allais virer au bout d'une heure! Une heure! Une heure de trop! D'accord? Maintenant, chez moi, la règle, c'est que personne n'est responsable. Tu le veux ou pas, ce boulot de manager? Bien sûr que je le veux. Je pense même être la bonne personne pour gérer ta carrière. Ça, j'aime bien. Tu vois, je préfère entendre des choses comme ça que des une heure. Tu vois? Alors, tu vas commencer par gérer mes appels et mes mails, s'il te plaît. C'est tout? Ouais. Mais c'est facile, ça! Wow, ça commence bien, c'est easy! Hey. Hey.
Oui, l'interview sera demain à 16h. Oui. Attendez, coupez pas. Yes, 50 cents. Yes. No, no, I'm not time. Farid. Farid. Call me in 10 minutes. J'ai besoin que tu me fasses 2-3 courses là, s'il te plaît. Quoi? Mais c'est même pas dans le contrat, ça. Ouais, mais je viens de le rajouter à l'oral, s'il te plaît, j'ai mal à la tête. Tiens, là, tiens, là. Tiens. Il pense bien à me ramener la liste, pas parce que j'en ai besoin, j'achète tout le temps. 2-3 courses? 2-3 000, non? Ouais, bah c'est 2-3 courses. T'as rien oublié? J'ai rien oublié, toi, surtout, n'oublie rien, s'il te plaît. Vas-y. Je pas la liste comme ça, là, j'en ai besoin, je la ramène. Hein. À toutes! Vas-y, ok. Tu vas voir, toi, si je vais pas descendre à 1%. Listen to me. Yes, no. I eat. Yes. No. Yes. Goodbye. Shut up, pote grizzly. Licorne, s'il te plaît, déjà, qu'on font jamais de la vie un grizzly avec un licorne, s'il te plaît. Et te repose pas trop vite parce qu'il faut que t'ailles récupérer mon colis. Il vient d'arriver, en fait. Je t'explique. Je suis en facteur ou quoi? Non, mais en fait, il devait arriver dans une semaine. Et en fait, là, ils me disent qu'il est arrivé tout de suite. Il me le faut. Donc, avant que ça ferme, s'il te plaît, va me le récupérer. Et ça, je suppose que tu l'as dit à l'oral. Voilà, c'est ça. Et à l'oral aussi, il faut que je te rajoute d'appeler le label, d'appeler les télés, les radios. Il faut que tu appelles ma mère. Il faut que tu prennes rendez-vous pour moi pour maison parce qu'il faut que je change la couleur. Ça y est, on va saouler. Et voilà, c'est tout. Mais s'il te plaît, si tu peux faire vite parce que ça va fermer pour mon colis. Ok. Manager. Good job. Vite. Yes, t'es là. Merci pour mon colis. On le pose là. Et maintenant, direction le sport. Tu crois que je suis con, tu crois? Il vient pas parler de contract si tu vas le dire à l'oral, je m'en fous. Comment ça? Mais t'es malade ou quoi? Mon manager, il faut qu'il ait bonne forme devant les gens. Allez. Allez, on va faire un footing. Je te dis, on va faire. Farid, allez! Oh là là, mais oh là là, on va jamais arriver! Tu peux plus de quoi, Farid? Je suis fatigué! T'es fatigué de quoi? Mais t'as l'air au con! Mais il ne reste que 42 km pour rentrer! On peut arriver! 42! J'ai tout! Allez, s'il te plaît, je sais que c'est dur et tout! Non, mais. Allez, s'il te plaît, viens nous voir! Mon taxi va arriver! Mais mon taxi va arriver! Si, il va arriver! Comment tu veux qu'on passe si on fait pas les 42 km? Oh, oh là là! Mais les hommes de nos jours, on aime pas tout ce qu'il y a! Il y a des bordels! Le sport, c'est bon! C'est la vie! C'est la santé! À ton âge, tu es déjà fatigué? Je démissionne! Quoi? Je démissionne! Relâche! C'est moi qui te vire! T'es malade, toi ou quoi? Depuis quand on démissionne pour moi une maladie? Maladie en carton, hein. Peau de cafard, mon frère. Pas solide tout ça. Et dans ma tête, ça fait rien. You. Et dans ma tête, ça fait rien. Et dans mon cœur, ça fait you. Et dans ma tête, ça fait rien. Ça fait you. Tu me verras à la TV ou sur les réseaux. Ma chérie, je suis pas le gars qu'il te faut. Dans mon cœur, j'ai des problèmes qu'il faut que je résolve.